Salut! Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment différente de d'habitude. J'ai décidé de vous faire cette vidéo où j'en suis malade parce que je ne sais pas ce que j'ai. Il est là le problème. J'en suis malade. J'ai quelque chose et on n'arrive pas à savoir ce que j'ai. Je vous l'ai expliqué également dans la vidéo de Skims. Ce que je voudrais vraiment vous dire au sujet de ces culottes, c'est que pour moi, elles me servent parce que j'ai d'énormes problèmes de ballonnement depuis plus de 2 ans. Je suis très mal à l'aise. Et là, depuis 3 jours, c'est insupportable. À tel point que dimanche, je suis restée quasiment toute la journée allongée et je pleurais tellement j'avais mal. Donc ces douleurs-là, c'est très très inconfortable. Et ces culottes gainantes m'ont beaucoup aidée durant tout l'été à justement essayer de maintenir mon ventre et essayer de moins souffrir. Effectivement, c'est très difficile pour moi parce que je vais vous expliquer justement ma maladie, en tout cas les symptômes. J'ai forcément quelque chose, mais on n'arrive pas à savoir quoi. D'où cette vidéo et du coup, je me dis que peut-être en parlant, excusez-moi, je me mets à l'aise. D'où cette vidéo pour espérer peut-être avoir des réponses à mes questions parce qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui subissent la même chose que moi ou qui ont subi la même chose que moi et à qui on a fini par trouver quelque chose et peut-être que j'ai moi aussi la même chose que vous. Je vous explique, en fait, ça fait maintenant 2 ans que par épisode, en fait, j'ai des douleurs abdominales. Douleurs abdominales qui font que j'ai un ventre qui gonfle beaucoup. J'ai l'impression d'être enceinte, effectivement, par moment de 6 mois. Au tout début, je pensais que c'était en fait gynécologique. Donc je vais voir ma gynéco, elle me dit on va faire une échographie. Et à l'échographie, rien. Elle me dit non, tout ressort normal, il n'y a pas de problème particulier. Donc je me dis, je barre de ma liste de problèmes, des problèmes gynécologiques, ça doit pas être ça. Donc ces douleurs abdominales, c'est pas forcément très facile à vivre. Alors en été, c'était pour moi relativement compliqué parce que j'aime bien mettre des petites robes. Et quand on met des petites robes, on n'a pas envie d'avoir un ventre qui est aussi ballonné. Parce que déjà c'est hyper inconfortable. On n'a pas forcément envie que les gens posent des questions, etc. Surtout quand ça a un lien avec, en fait, les ballonnements. Parce que ce sont des gaz, c'est de l'air. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui croit, pour détendre l'atmosphère, que c'est plutôt marrant de dire « bah vas-y, pète un coup, etc. » Alors c'est sûr que dit comme ça, ça fait sourire. Mais quand vous avez extrêmement mal, ça fait pas sourire en fait. Voilà, bref. Je le ressentais beaucoup plus facilement l'été que l'hiver. Probablement parce que l'hiver, je porte des pantalons et que je suis peut-être un peu plus comprimée justement par mes vêtements que l'été. Par la suite, je me suis dit « je vais peut-être arrêter les lactoses. » Parce que je suis allée sur internet à chaque fois. Je me suis dit « quelles sont les causes possibles de ballonnement ?» Donc les causes possibles, ça peut être évidemment dans l'alimentation. Ça n'a pas eu d'effet vraiment concluant. Par la suite, je suis allée voir donc mon médecin. Et donc mon médecin me prescrit des examens. Prise de sang, prélèvement de sel, etc. Les prises de sang montraient rien d'anormal. Prélèvement des selles non plus, pas de sang dans les selles, etc. Donc on ne trouve rien. Et donc je continue de me poser des questions, de me demander vraiment ce qui m'arrive, en essayant de m'éduquer, on va dire, entre guillemets, bien sûr. Donc les premiers résultats reviennent négatifs. Je reviens donc voir le médecin. Étant donné qu'on n'a rien, on se dit peut-être la microbiote, qu'on appelait avant la flore intestinale. Je prends donc un traitement pendant 1 mois. J'ai pas vraiment eu l'impression d'avoir un meilleur effet que ça. Maintenant, je pense que ma microbiote doit être complètement déglinguée. Ça, c'est sûr et certain. Mais pas de résultats phénoménaux non plus. Je prends des médicaments. On m'en prescrit une première fois. Ça a l'air de fonctionner le premier mois. Après, plus rien. On m'en donne un autre. Alors là, celui-là n'a pas fonctionné du tout. Donc au fur et à mesure, j'élimine. Mais le problème, c'est que ça dure dans le temps. Ça continue. Et moi, je suis malade, quoi. Quand je dis je suis malade, c'est bien sûr inconfortable. Là, vous voyez, je suis assise, j'ai extrêmement mal au ventre. Au bout d'un moment, j'avais en face de moi un médecin qui se sentait un peu dépassé et qui avait un peu l'impression comme moi qu'on essayait plus ou moins de tout et que ça fonctionnait pas, quoi. On essaye désespérément de trouver des solutions parce qu'on se dit, mais peut-être que mon problème c'est le gluten. J'avais l'impression qu'en fait d'arrêter le gluten était bon pour moi, mais j'étais pas vraiment persuadée que malgré tout, l'arrêt du gluten ferait que ça arrêterait mes ballonnements. J'ai regardé des reportages qui expliquent que beaucoup de chercheurs, parce que là ça reste le flou total, c'est vraiment très compliqué. Il y a des chercheurs qui ont constaté que des personnes qui étaient reconnues intolérantes au gluten, ces personnes-là ont des symptômes bien précis, comme moi, les ballonnements, etc. Il y a d'autres personnes à qui on fait passer des examens, qui elles ressortent en fait, si vous voulez, négatives à l'intolérance au gluten, et qui pour autant ont exactement les mêmes symptômes. Et dès qu'ils arrêtent, ils se sentent mieux. Donc, a priori, il y aurait tout un tas de gens qui sont intolérants au gluten, pour autant ça ne ressort pas dans les analyses. Mes analyses sont revenues avec d'autres analyses à faire derrière. Moi, ce qui restait dans un coin de ma tête, par moments, c'était 2 choses. La première, j'ai quand même un grand-père, mon grand-père du côté maternel, qui est décédé à l'âge de 52-53 ans. J'étais petite, j'avais 3 ans. Il est mort d'un cancer du côlon. Donc, et puis, je me disais,
Là où ça touche, en fait, c'est plutôt gynécologique. Mais bon, si on me dit qu'il n'y a rien, il doit rien y avoir, quoi. Je vous avais fait, il y a 2-3 ans de ça, une vidéo où je vous expliquais que j'avais des problèmes gastriques. Donc j'ai des problèmes d'ulcères, ça fait très longtemps que ça dure. Et j'ai toute la partie digestive qui est mise à mal depuis des années, en fait. Donc c'est vrai que c'est compliqué de se dire « j'ai mal et on peut rien pour moi ». Et ce matin, je suis allée passer un scanner avec une injection iodée. J'ai mon kit pour aller passer mon scanner. Franchement, j'ai pas très envie, mais je sais que j'ai pas trop le choix, donc venez, on y va. Heureusement, je suis tombée sur une infirmière sympa. J'ai encore les traces, là. Vous voyez, je suis une blessée de guerre. Ce qu'il en est ressorti, en fait, c'est qu'on ne me trouve strictement rien du tout. Il y a marqué « pas d'anomalie pariétale digestive visible, pas d'image d'inflammation, pas de syndrome occlusif, pas d'épanchement intra-péritonéal ». On te donne ça et tu te casses et démerde-toi. Et en fait, depuis le début, je me sens vachement seule, en fait. Je me sens un peu délaissée, pas parce qu'on veut pas s'occuper de moi, mais parce qu'on est beaucoup trop nombreux à demander des soins et qu'en face, ils sont pas assez, quoi. Il est là, le problème. Bon, moi, je suis bien contente d'avoir accès à ce genre de soins, parce que je pourrais aussi ne pas y avoir accès, donc tant mieux pour moi. Et d'un autre côté, je me dis « j'ai rien de grave, apparemment, pour l'instant ». Si ce n'est le gluten, c'est pas très clair, mais c'est pas hyper grave, mais enfin on sait jamais. Et le foie. Par contre, le foie, là, il y a un petit problème au foie, il va falloir savoir ce que c'est exactement. Et une énorme carence en vitamine D. Donc j'ai des petites choses quand même. Je suis pas sans rien. Mais le problème, c'est que je suis rentrée chez moi avec mes douleurs et démerde-toi. J'ai eu ma maman tout à l'heure au téléphone pour lui expliquer les résultats et elle m'a dit qu'elle avait entendu une émission médicale à la radio où il parlait justement des femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui ont des ballonnements de femmes enceinte de 6 mois. Et je pense que il est fort possible que la réponse soit là. Et ça, si c'est le cas, je vous en reparlerai plus tard dans une autre vidéo. Donc lundi prochain, je reviens voir mon médecin et on va voir ce qu'on peut faire pour essayer de trouver d'autres solutions. Mais c'est triste parce que moi je rentre chez moi, j'ai mal, j'ai toujours le ventre hyper ballonné, je vais encore devoir porter des culottes gainantes et je me dis qu'est-ce que j'ai en fait? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que c'est qu'on me trouve pas? Je comprends pas. J'ai forcément quelque chose. Puisque ça dure, c'est devenu chronique et ça fait maintenant 2 ans, c'est par épisode mais généralement ça s'arrête pas très longtemps. La dernière fois j'étais très contente, ça s'était arrêté pendant presque 15 jours et un jour le ventre s'est remis à ballonner et ça s'est plus jamais arrêté. La douleur en fait par moment elle est tellement vive que moi j'en pleure, j'en fais des crises, non seulement de nerfs parce que ça me fatigue, ça m'épuise, je comprends pas ce que j'ai, on trouve rien. Et il faut que je continue de chercher et de comprendre ce que j'ai, parce que là, au bout d'un moment, c'est hyper compliqué. J'avais envie de faire cette vidéo pour partager un petit peu mon expérience, qui n'est pas mirobolante. J'en suis toujours là, je vous dirai tôt ou tard ce qu'il en est pour moi. Peut-être dans une vidéo lambda, où je ferai une petite aparté pour dire, voilà, j'ai continué mes examens, etc. Peut-être pas une vidéo dédiée, ou peut-être que si, j'en sais rien. Mais toujours est-il que j'avais envie de partager ça avec vous, pour que vous puissiez mieux comprendre des fois pourquoi, quand j'essaye des vêtements, ben, j'ai l'air un peu ballonné, pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre aussi des fois que j'ai l'air un peu fatiguée. On est des êtres humains, je fais des vidéos sur YouTube, j'essaie d'être la plus rigolote et sympa possible, mais il y a des moments, malheureusement, je suis comme vous, quoi. Voilà, je pense que YouTube m'aide malgré tout et vous m'aidez en fait beaucoup malgré tout à tenir le coup parce que ça me vide l'esprit en fait de faire des vidéos sur YouTube. Je suis dans mon monde. Bon, sauf là où je suis en train de vous parler de ça, mais après, je suis dans mon monde. Voilà. J'espère que cette vidéo, je vous dirai pas, vous aura plu, parce que là, clairement, c'est différent d'habitude, mais j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Peut-être que vous êtes dans la même situation que moi, donc peut-être que ça va vous aider à faire des examens que vous avez pas fait. Peut-être que vous, vous en avez fait que moi, j'ai pas fait, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos expériences. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.